fall in love again. We need a vacation, so we took a trip to France. Bonjour à tous, c'est Mister Voiture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une présentation de mes voitures miniatures Majorette d'année 2018 à 2019. Donc voilà, je commence tout de suite par ce Dacia Duster. Excusez-moi. Donc ici voilà, il y a des fenêtres, on peut mettre nos doigts, mais c'est pas en ouvrant. Du coup, nous nous trouverons l'arrière. Voilà. Après on passe à une Bentley Continental GT. Voilà, avec les portières qui sont ouvrantes. Après, on passe à un Mercedes AMG GT. Voilà, les portières qui sont ouvrantes. Après on passe au Renault Kangoo sponsor Majorette. Voilà, avec le coffre qui ouvre. Voilà. Après on passe un Lamborghini Urus. Voilà, avec les portières qui sont grandes du coup. Après on passe à un Honda Civic type R. Voilà, attendez, avec le coffre qui est grand. Je tiens juste à dire, le coffre il est géant. Déjà juste à l'ouverture aussi, là il est gigantesque, mais à l'intérieur également. Voilà, après on passe à une Volkswagen Golf 7 GTI. Dommage qu'il n'y a pas écrit GTI sur la calandre. Donc regardez, je vous mets une image là du Golf de la calandre du Golf 7 GTI. Voilà. Avec le coffre qui ouvre.
Désolé pour les cheveux. Voilà. Et pour finir l'année 2018, ce Peugeot 3008 noir et vert kaki. Donc il est j'ai oublié comment on dit ça là. J'ai oublié comment on disait déjà. Si vous pouvez m'aider dans les commentaires. Oh, je l'avais sur le bout de la langue le nom. Donc c'était un peu le 3008 GT. Voilà. Voilà. Le coffre qui est ouvert. Donc voilà. Maintenant, nous allons finir avec l'année 2019. Donc c'est que 5 voitures. Donc je commence tout de suite par ce Porsche 911 GT3 RS. Ah ouais, la caméra il ressort pas bleu, la vraie couleur qu'on veut. C'est pas très grave. J'essaierai de vous mettre une image ici en haut de la vraie couleur. Car là il ressort bleu ciel, alors que moi quand je le vois il est vraiment bleu turquoise, un peu cyan. Voilà, avec les portières qui sont grandes. Voilà. Après, on passe à une Audi S5 rouge. Donc, je suis pas fan de ces jantes-là. Donc, en fait, j'étais à la recherche de ces jantes-là. Là. Donc, voilà. En noir sur la S5, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que ce modèle là parce que en fait le S5 avec les jantes noires que je viens de vous montrer, il est trop beau. Comparé à ces jantes là, c'est pas foufou, mais c'est pas très grave. Je pense que je vais faire peut-être quelques modifications sur cette Audi. C'est une S5, hein. Voilà. S5 avec les portières ouvrantes. Voilà. Après, on passe à un Ford Mustang GT, c'est bien ça. Ouais, attendez bien. Formation GT 164. Donc voilà, super beau. Avec le petit motif là, la bande. Magnifique. Voilà. Donc les feux arrière, ils sont peints en gris et peints en rouge, donc la tempo, avec l'aileron, les jantes en noir et du coup bah, les portières qui sont grandes. Voilà. Après, donc l'avant-dernier véhicule, un de mes préférés, un Land Rover Defender 110. Donc un D4x4 que j'adore, avec cette couleur, il passe trop bien. Voilà. Land Rover et Defender. Il est juste magnifique, avec les jantes et les pneus qui sont juste sublimes.
Et donc du coup là c'est le capot qui s'ouvre sur celle-là. Et pour finir cette vidéo, celle-là elle est vraiment petite, désolé pour la caméra, on a une Renault Mégane 4 RS. Voilà, attendez, j'essaye de faire le focus. Voilà. Bon, les jantes, c'est pas ouf, hein. Je pense que vous aussi, vous êtes d'accord. Sur un modèle comme ça, ces jantes-là, c'est pas vraiment foufou. Mais c'est noir, donc ça se voit pas vraiment, donc ça passe encore. Donc les feuilles sont rapportées et en même temps temporisées. Voilà. Et donc l'ouvrant et le coffre. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces miniatures également vous auront plu. Donc voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. C'est gratuit et moi ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Mister Voiture. Peace!